Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des livres pour enfants. Alors sur la table, il y a des livres de contes, des albums livres animés, mais aussi il y a cette boîte en carton. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, oh, quelle belle surprise! On va ouvrir pour voir ce qu'il y a réellement dedans. Comment ça s'ouvre? Comme ci ou comme ça? Ah, j'ai trouvé. Comme ceci. Oh, c'est un livre, voyez-vous, qui est constitué en plusieurs pages. Et on va regarder la première. Oh, il y a quatre triangles. La deuxième. Il y a cinq oiseaux. La suivante. Oh, une belle fleur et un papillon. Et puis, oh, quatre triangles. Et celle-ci, rien du tout. Et oui, il n'y a rien. C'est parce que elle est réservée pour que vous réalisiez vous aussi votre page surprise. Alors, pour la réaliser, rien de plus simple. Vous avez juste besoin d'une feuille A4 pour réaliser cette belle page, comme ceci, la page surprise. Voilà. Vous prenez votre feuille, vous la pliez dans le sens de la diagonale, et il va vous rester un petit morceau. Et ce petit morceau, vous allez le replier encore pour être juste sur le coin. Voilà. Donc vous appuyez bien dessus, vous prenez une règle. Et avec cette règle qui va vous aider à découper votre feuille, ainsi vous allez obtenir un carré. Et à partir de ce carré, vous allez retourner et il faut que l'arête de la diagonale se trouve au-dessus. Et là, à ce moment-là, vous pliez d'un côté en deux. Ensuite, vous pliez dans l'autre sens, toujours en deux. Et vous ramenez les deux arêtes vers le haut et les deux coins vers le haut aussi. Ainsi, vous obtenez un carré et à partir de ce carré, vous faites descendre les côtés. Vous pliez comme ceci. De l'autre côté, pareil. Et là, vous allez obtenir donc ce carré avec ces petites lèvres. Et là, dès que vous appuyez, voilà. Et maintenant, c'est à vous. Vous allez commencer par dessiner, par exemple, un carré, un triangle sur ce coin. Vous prenez un stylo bleu, par exemple. Vous dessinez de l'autre côté. Voilà, vous coloriez l'intérieur des triangles, des deux côtés, et vous obtenez une figure approximativement identique à celle du livre. Ensuite, vous choisissez le dessin que vous voulez à l'intérieur, et voilà ce que ça donne. À vous de jouer!